Oh yeah, because he's working him off. Okay, the young one. The one, young ones will be very sharp. And the old one is round. Yeah, and the younger ones, the horns face like this, forward. The young one. Young ones. And when they get older, they go back and start okay. going in. Le guide est en train d'expliquer que un jeune springbok a le bout des pines ici, très pointu. Lui a les bouts ronds, fait qu'il est pas, c'est pas nécessairement un jeune. C'est un beau, mais pas nécessairement un monstre. Parce qu'un gros, les cornes lui tournent vers l'avant et plient vers l'avant comme ça. Ça, ça vient signifier que c'est un springbok qui est très, très vieux. Comme lui, c'est un moyen, on pourrait dire. Puis ils se tiennent seuls à ce temps-ci pour se battre avec d'autres mâles, ils ne sont pas que les femelles. Fait qu'un bout pointu, c'est un jeune, un bout rond, c'est un peu plus vieux. Puis quand les pines tournent et redescendent vers l'avant, c'est un vieux mâle. Mais c'est réellement pas gros. D'après moi, ça fait 30-35 livres. Fait qu'à 200-300 verges, là, c'est pas gros dans le télescope au vent. Perfect. Yeah. You see these marks on the face? That's from the fence. That's why they crawl through the fences. Viens voir, Caro. See, that's why they don't stay in fences. This is all fences. And look here. C'est toutes des marques qui s'est fait en traversant la clôture. Quand ils traversent les clôtures des cultivateurs, ici, on est dans un genre de réserve que tous les cultivateurs sont mis ensemble, puis ont fait une grande réserve pour la chasse. Il n'y a aucune clôture. Il y a juste les clôtures pour les bétails, pour les vaches, les moutons et les chèvres. Les springboks, il faut qu'ils traversent les clôtures, puis ils se frappent le nez dans la clôture. Puis c'est toutes des marques qui se font en traversant les clôtures. Il nous expliquait que, bizarrement, ils ne sautent pas par-dessus les clôtures. Oui, ils passent en dessous. Même si c'est un animal qui springe beaucoup... Pis on en a vu, nous, hier, c'était hier, avant hier qu'on a vu des facochères et des coudous, puis on pensait qu'ils allaient springer par-dessus, mais non, ils passaient en dessous des clôtures. Oui. Ouais. Fait que si on est complètement en milieu sauvage, il n'y a aucune clôture pour conserver les animaux, on est en milieu sauvage. Ils ont mis 15-20 cultivateurs ensemble, puis ils font une bonne gestion des animaux, ils ont le droit de tuer tant de springbok, tant de coudous, tant de blessbok. Tout est comme une gestion, un management, là. Il faut qu'ils ne tuent pas trop d'animaux et qu'il y en ait assez pour l'année suivante.